Avec plus d'une soixantaine de longs métrages à son actif, Johnny Depp est certainement l'un des acteurs hollywoodiens les plus connus au monde. Outre son interprétation remarquée du capitaine Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes, il a également eu le privilège de tourner avec certains des plus grands metteurs en scène de la planète tels Oliver Stone, Jim Jarmusch, Emir Kusturica, Terry Gilliam ou encore Tim Burton avec lequel il collaborera à 8 reprises. Oui mais ça, c'était avant. Johnny Depp est depuis devenu persona non grata sur les plateaux de tournage suite aux accusations de violence conjugale révélées lors de son divorce avec Amber Heard. Évincé du troisième volet des Animaux Fantastiques, l'acteur avait estimé subir un traitement injuste dans un entretien accordé au Sunday Times au mois d'août dernier. L'ex-compagnon de Vanessa Paradis reste cependant extrêmement populaire auprès des cinéphiles. Ce dimanche 5 septembre, il était notamment invité à une rencontre avec le public lors du Festival du film américain de Deauville. Il en a profité pour revenir sur sa carrière, et notamment ses grands débuts d'acteur dans la série 21 Jump Street dont il ne garde malheureusement pas que de bons souvenirs. J'ai beaucoup appris sur la série 21 Jump Street. Notamment grâce au rythme de tournage, mais j'en ai vite eu assez que la Fox fasse de moi un produit, a-t-il expliqué. J'ai vraiment essayé de m'en échapper par tous les moyens, j'ai même mis du scotch sur ma langue pour faire croire à un problème de diction. Mais rien n'a marché, jusqu'à ce que, juste avant Tim Burton, John Waters me donne ma chance sur Crybaby. On ne me proposait alors que des rôles d'action avec des flingues et des jolies filles à mon bras. John a compris le malaise que je ressentais d'être une icône de magazine pour ados, il a écrit le rôle pour moi, le premier pas dans mon parcours d'acteur, avec l'ascension et la chute que l'on connaît aujourd'hui.